Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne Letty Phoenix. On se retrouve pour l'épisode 7 sur Zelda The Wind Waker. Et oui, on avait quitté l'île du dragon sur l'épisode précédent. On avait mis le cap au sud pour arriver, comme vous pouvez le voir, juste derrière notre petit Link, derrière cette île qui se nomme l'île aux forêts. Voilà, c'est grâce à notre bateau et notre ami le lion rouge qu'on a pu aboutir à cette île. Et justement, sur cette île, il faut qu'on récupère la deuxième perle. On avait récupéré déjà la première perle sur l'île du dragon. Et là, on part en quête pour la deuxième. Allez, c'est parti. Place au let's play. On y va pour l'île aux forêts. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau devant nous? Bon, il n'y a pas de musique, ça a l'air assez calme, je dirais. On va voir ce qui nous attend. Ok, c'était une plante carnivore, elle a failli nous manger rapidement. Alors, vous obtenez une graine de Bokobaba. C'est original comme nom, je dirais. Elle sera rangée dans votre sac à butin. Ok. Donc, un nouvel objet. Alors, un excélir préparé avec des graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Ok, j'en prends note. On a des petits rubis un peu partout. Ok, là, rien de spécial pour le moment, on va avancer. Ça c'est pratique, le petit bâton qu'on les jette sur les plantes carnivores. Ils se mettent au garde à vous et on a juste à leur mettre un coup d'épée. Et c'est fini. Ok, on a rien oublié devant nous. Hein. Je fais attention quand même. Ok, on va avancer prudemment, bien entendu. Hein. Qu'on se fasse pas bouffer par ces plantes carnivores. Alors pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Ça sort plutôt bien, je dirais. Alors, il me faut le grappin. J'ai vu qu'on pouvait s'agripper juste devant nous. Alors, je vais mieux me réorienter, je dirais. Enfin, mieux m'orienter. Voilà. Oh là là! Une espèce de mollusque pas beau en face. Et c'est un one shot, mes amis. Et un mollusque en moins. À mon avis, il faut pas tomber dans l'eau parce qu'on va se faire emmener par le courant. On va se méfier. Hein. Ok. Ah, je vois qu'on peut aller vers le bas. Oups là, j'ai failli tomber dans l'eau. J'étais à deux doigts. Oula. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas dit lors de mon premier épisode. Je ne l'ai jamais annoncé. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vraiment vous sortir un épisode quotidiennement. Au moment où je suis bien parti. Donc normalement... À partir de 15h de l'après-midi, 15-16h, vous aurez un épisode de ce Zelda The Wind Waker qui sera disponible. Alors, on va lancer par là. Il y a un mollusque, on va se protéger. Et boum! Ça, c'est fait. Ok. Ok, donc on a l'air d'être arrivé à notre point de destination. Qu'est-ce qui nous attend? Ça m'a l'air bien haut.
Je vois rien de spécial, de l'herbe, des arbres. Rien de nouveau pour moi. Tiens, on va aller par là voir ce qu'il y a. Pour étendre un peu hein, quand on arrive, parce que c'est le bazar. Hein. Il y en a un peu partout. Est-ce qu'on peut le couper ça? Ah, ça marche pas. Essaye de rien oublier. Ah, je vois une fée en face de moi. Alors, j'ai une petite idée, hein. C'est de la mettre dans notre flacon. Ça s'en va. Ne t'en va pas, petite fée. Oui, on l'a eu. Super. Vous avez mis une luciole. Ah, c'est une luciole. Je croyais que c'était une fée. C'est pas une fée, c'est une luciole. Luciole de la forêt dans votre flacon. C'est une créature mystérieuse qui émet une lumière étrange. D'accord. C'est pas la même chose. Ah, je croyais que c'était une fée, ben c'est pas le cas. C'est pas grave. Ouais. On va la garder quand même en attendant. Peut-être ce sera utile pour notre aventure. On va voir ça. Alors, je vois qu'il y a une entrée là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien de spécial. Oula. C'est les jolis chuchus. Ouh, il envahit. Oh, le pauvre. On va essayer de l'aider. En faisant ça. À l'attaque. À l'attaque, à l'attaque. Oula. Ah, vous obtenez de la gelée chuchu verte. Elle sera rangée dans votre sac à butin. La gelée chuchu verte régénère votre énergie magique, mais ne peut être utilisée telle qu'elle. Ok. Encore à vaincre. À vaincre hein. Il y en a encore. Ah, ils sont revenus sur l'arbre. On va t'aider, mon pote. T'inquiète pas. On est sur le coup. C'est un truc. Maintenant. On est bon. Oh, on est bon. On a réussi. Impeccable. Alors là, je peux pas vous traduire parce que je ne comprends rien. Tout simplement. C'est un peu embêtant. Ouais. Moi, je suis un peu... Ok. J'ai pas le dictionnaire pour la traduction, je suis désolé. Je comprends pas ce que tu dis. Ah, ça y est, on y arrive. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Ah, c'est pour ça. Je suis l'arbre Mojo. Ça y est, c'est lui notre arbre Mojo qu'on a connu dans les autres Zelda. Notamment Ocarina of Time qui était un excellent Zelda aussi. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est de retour. Eh ouais, il est là le tonton. C'est lui qui nous a éjecté d'ailleurs de la forteresse maudite. Hein. Dans ce cas, nous devons faire vite.
peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ennemi. Vous pouvez vous montrer. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Flamme ? Bien, Flamme. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. Ah, qu'ils ont une bonne bouille, hein, ces petits Korogu. On dirait des arbres avec... c'est des arbres avec une feuille sur la tête pour faire les visages. C'est assez marrant. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Ça me va. Allez. Nous devons faire vite ou il se passera des choses terribles. Alors, commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas ? C'est cet horrible vénérable arbre Mojo. Du Moria, il. Que se passe-t-il, Labula ? Du Moria et toi êtes toujours en retard. Non, pas cette fois-ci. Vénérable arbre Mojo, Du Moria est tombé dans les bois défendus. Quoi ? Comment ? Dans les bois défendus ? Je lui avais dit de se méfier, mais Du Moria ne m'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. Ah, les raccourcis, mes amis, des fois c'est pas forcément bon. C'est bien lui. Flamme, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux et sont habités par des monstres. Du Moria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien partir porter secours à Du Moria ? Mais, vénérable arbre Mojo, cet étranger ne peut pas voler. Ah non, je suis pas un piaf, les amis. Tu as raison, on ne peut pas accéder à ces bois par la mer. C'est vrai, j'oubliais. Flamme, je pense que tu es plus lourd qu'un Korogu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Ok. On va avoir une feuille magique apparemment. Mais, désolé Flamme, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Ok. Donc il faut qu'on récupère cette feuille, à mon avis, qui est magique. Alors comment on va faire ? Autrefois, nous habitions les bois défendus. Cet endroit était une forêt où régnait la paix. Notre maison doit toujours y être. Si jamais tu as un problème dans les bois défendus, cherche une maison en forme de souche. D'accord, c'est bon à savoir. Connais-tu ces fleurs ? On les appelle buibaba. Place-toi devant l'une d'elles et utilise le joystick L pour sauter à l'intérieur. D'accord, ça n'a pas l'air compliqué. Va essayer. Quand un corps étranger pénètre dans une buibaba, la fleur le recrache vers le haut. Utilise ceci pour sauter vers des endroits en hauteur. Ok. Faut qu'on aille dans la fleur buibaba. Comment ça marche ? Ouah, c'est trop classe ! Trop bien ! J'adore. Tout droit peut-être ? Ouais. Bravo, ami à l'épée. Continue comme ça jusque là-haut.
Si la direction de ton saut ne te convient pas, ne touche pas à elle et tu retomberas dans la fleur. D'accord. C'est bon à savoir. Ah, je vois qu'il y avait une espèce de grotte là au fond. Une porte, je dirais. Bon, on revisitera. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Je me suis planté. Bon, c'est pas grave, on va en profiter pour visiter. Puis je vais retourner en haut juste après. Chez Dishopsy, pharmacie de la forêt. D'habitude, nous parcourons les îles loin d'ici pour replanter des forêts. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour la cérémonie que nous organisons une fois par an. Mais avec Dumoria... Ami à l'épée, je t'en prie, va porter secours à Dumoria. On va l'aider, on va l'aider. Juste regardez ce petit... petit endroit, je dirais. On voit qu'on a un gros chaudron devant nous. Fait des potions, lui. Alors. Bienvenue, ami à l'épée. Je suis Dishopsy. Ouais, je pense qu'on est Dishopsis. Je fabrique des potions avec les fruits et les graines de la forêt. Aurais-tu besoin d'une potion? Celles qui sont ici ne peuvent servir qu'au peuple Korogu. Ah! Mais si tu utilises de l'énergie magique, tu as sûrement besoin d'une potion qui puisse recharger ton énergie magique. Je peux t'en préparer une si tu as les ingrédients nécessaires. Malheureusement, on ne peut pas trouver ces ingrédients dans la forêt. Il me faut pour préparer cette potion les graines des fleurs carnivores que l'on trouve par exemple dans les bois défendus. Vois-tu de quoi je veux parler ? Je crois qu'on a ça les amis. On a battu des plantes carnivores, donc normalement on devrait avoir ce qu'il faut. Alors ça va être certainement dans le sac à butin. Je pense que c'est ça que je veux. On va essayer. Est-ce que c'est ça? Ah voilà des graines de Boko Baba. C'est bien ça, avec ces graines je vais pouvoir te préparer ma potion qui redonne de l'énergie magique. Mais si tu n'as pas de flacon vide, je ne peux pas te donner de potion. Ah, il faut un flacon vide, désolé. Alors ce qu'on va faire mes amis, on va libérer la luciole. On pourra se faire un petit cocktail d'énergie magique, je dirais. On va reprendre les fameuses graines. On va lui remontrer ça. Je pense qu'on va être bon. Ah, il en faut 4 quand même. Je vais donc utiliser 4 de tes graines pour te préparer ma potion qui redonne de l'énergie magique. Attends quelques instants. Ok. On dirait un druide, les amis. Enfin, c'est presque ça, vous direz. C'est ça, c'est un druide. Finkum, mekum, plouf, plum, poil. Et là, on se transforme en corpo. Ouf, et voilà, tiens voilà ta potion. Vous obtenez la potion bleue, assignez-la à une touche, et ça restaure l'énergie vitale et l'énergie magique. Ça restaure les deux, ça c'est bien ça. Vous pouvez la transporter dans un flacon. N'hésite pas à revenir me voir quand tu auras à nouveau assez de graines. Tu seras toujours le bienvenu. Eh ben c'est bien, on a notre première potion bleue. Et apparemment ça restaure aussi bien les cœurs que l'énergie magique. Alors pour le moment j'ai rien pour l'énergie magique. On va découvrir ça plus tard. Allez, on va retourner en hauteur. On va grimper sur les fameuses... de carnivore, je dirais. Et on verra pour les lucioles, ça sert à quelque chose à mon avis. Alors à quoi pour le moment, je n'ai pas la réponse, je m'en rappelle plus. Alors si je tournais autant comme tourne Link là, que je vois actuellement, moi, je pouvais dire que je l'avais... J'aurais le tournis à fond. On serait malade, hein.
Alors là, je sais pas où je dois aller. En face, mais je vais tomber si je vais en face. Il me paraît assez loin. Ah, je viens de comprendre. Ok. Allez, c'est parti. Vraie attraction, les... Comment ça s'appelait déjà, les Kubaba? J'ai perdu le nom. Et on a réussi à avoir, ça y est, cette feuille magique qui se nomme la feuille Mojo, les amis. Agitez la feuille Mojo et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant et elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Ok, on a notre barre d'énergie, ça y est. Par ici, l'ami! Vol jusqu'ici en utilisant la feuille Mojo. Ok. Alors, on va essayer de l'équiper. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va l'équiper. Ok. Et apparemment, il faut qu'on aille où il y a cette fameuse flèche. Après, je vois qu'il y a un endroit en bas, là-haut. Ça... J'ai envie d'aller voir quand même, je suis curieux. Ah, ça marche pas. Faut sauter et l'utiliser, vous croyez? Ah, on peut aller là aussi. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh là 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 là. Oh là là. Normalement, on pouvait aller à plusieurs endroits. On va grimper après, on va voir ça, vous inquiétez pas. Je découvre un peu l'île aux forêts. Puis je vous en fais découvrir aussi, vous puissiez en profiter. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On voit un PNJ, un personnage au fond là-bas, sur notre droite. Alors, je pense qu'en face de nous, ça doit être les bois défendus. Ok, ok. Ah, super, ça nous redonne de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? On va regarder, on va utiliser là. D'accord, je vois une espèce de PNJ avec une espèce de trappe. Il y a une échelle aussi sur... Ok. Alors, je vois pas comment on peut y accéder pour le moment. Ok, il faudra qu'on voie tout ça. On y reviendra. Hein. Là, pour le moment, c'est pas accessible à mon avis. Allez, on va grimper. Alors, je vois qu'on peut aller là-haut aussi, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller voir. Toujours curieux, vous savez. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas non plus ce que je voulais faire. Est-ce que je vais être assez... Ouais, ça a l'air de fonctionner. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Au fond de cette... D'accord, une porte.
Apparemment, on peut... voilà. Vous pouvez y accéder, je vais y arriver, excusez-moi. Juste en bas, mais par ici, ça devrait être faisable. On va juste changer la direction du vent. Et on va placer ça au nord. C'est parti. Allez, vous êtes prêts pour le grand saut, mes amis? C'est parti! Ok. Alors là, je vois qu'il y a une échelle. On doit pouvoir la faire tomber, cette échelle. Je sais pas comment ça fonctionne. Apparemment, de l'énergie, on en récupère assez facilement. Alors, palais des figurines. Galerie des figurines Tendo. Le petit jeu de mots. Accès interdit à toute personne étrangère au service. D'accord. On va peut-être en savoir un peu plus avec ce personnage. Mais dis donc, t'es fort, toi? Tu viens d'arriver en volant, là? Mais au fait, si tu sais voler, tu devrais pouvoir atteindre l'interrupteur qui est là-haut, toi, non? Ah, tu ne vois pas? Là-bas, en haut de l'île aux forêts. Tu n'as pas une longue vue ou un machin comme ça? Pour y voir de loin? Alors, il parle d'un interrupteur. Ah, j'ai une petite idée. Je crois que je l'ai vu sans le... Comment dire? Je crois qu'il parle de ce qu'il y a là-bas. Vous voyez le petit losange blanc? Une sorte de losange blanc, je dirais, ouais. Je pense que c'est ça. Alors, si j'ai bon souvenir, je crois qu'avec les goélands, on peut l'activer. Donc, on va essayer ça. Alors, on va utiliser ceci. On va voir si ça fonctionne. Normalement. Si je me souviens bien. Non, faut que tu voles, mon gars. Prends de l'altitude, prends de l'altitude. Élève-toi, petit oiseau. Oh, on est des génies. On est des génies. Ok. C'est pas mal. Ah, je peux pas aller par là. Est-ce qu'on a autre chose des fois? Je regarde un peu aux alentours, des fois on peut avoir des surprises. Même des bonnes. Alors, on peut pas aller là-bas non plus. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on aura. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Ok. Bienvenue. Bienvenue à la galerie des figurines Tendo. La galerie des amoureux de la figurine. Moi, j'adore les figurines en plus. Je sais pas si vous aimez les figurines. On a différents thèmes, bien entendu, hein, mais... Toujours bien d'avoir des figurines sur nos thèmes favoris. Oui, bonjour, c'est un ami qui vous envoie. Peu importe. En ce moment, nous avons peu de travail et nous manquons de membres. Connaissez-vous la condition à remplir pour pouvoir devenir membre? Les figurines que nous exposons ici sont fabriquées à partir de clichés que nos membres nous apportent. C'est moi qui fabrique les figurines et j'autorise les membres qui m'apportent gentiment des clichés à se promener librement partout dans la galerie. Est-ce que par hasard vous auriez un cliché sur vous? Pas encore, pas encore. Et si je prenais ce personnage en photo? Admettons. Conserver le cliché. Oui. On va essayer. Alors, des clichés de personnes ou de monstres, il faut juste que le sujet soit de face et qu'il apparaisse en entier sur l'image.
Alors, je n'acceptais de fabriquer des figurines que si les clichés me plaisent. Mais j'ai fini par me dire qu'après tout, ce n'était pas la peine d'être aussi capricieux pour des figurines. On va essayer de lui montrer la photo qu'on vient de prendre. Allez. Mais il n'y a pas de couleur. Je ne peux vraiment rien faire à partir du noir et blanc. Ah, d'accord. Bon, pour le moment, il veut des photos en couleur. Pour le moment, j'ai que du noir et blanc. On verra plus tard. Alors, comment on va faire pour revenir sur nos pas? Je sais qu'il y a une petite échelle ici, c'est super. Alors, on pourra pas y accéder là-bas, à mon avis, en volant. Donc, on va devoir repartir du début. Ah si, il y avait peut-être mon bateau, il y avait peut-être le lion rouge, je l'ai pas vu. Ce n'est pas grave. J'aime bien les attaques combinées de Link, elles sont vraiment superbes. Ça passe tout seul quand on combine bien. C'est vraiment excellent. J'adore. Alors. Tour. Ok. Allez, on retourne là-haut et cette fois, je vous le promets, on va se rendre au bois défendu. C'est parti. Je voulais aussi vous montrer ce qu'on avait un peu aux alentours. J'aime bien aussi découvrir ce qu'on a sur les différentes îles. Allez, c'est reparti. On va reprendre notre feuille. Bonjour. Heureusement que les plantes nous gobent pas quoi. Qu'on n'est pas bon à manger parce que sinon ça aurait fait un sacré dîner de Link. On est bon. Bravo, tu as parfaitement compris comment te servir de la feuille Mojo. Comme tu es plus lourd que nous, tu ne pourras pas voler très longtemps. Continue par là pour atteindre la sortie qui t'amènera vers les bois défendus où Dumoria doit être tenu prisonnier. Il faut vraiment qu'on sauve Dumoria pour pouvoir célébrer la cérémonie avec les Korogu et l'arbre Mojo. Je sais plus si on dit Korogu ou Korogu. Peut-être Korogu, hein, c'est mieux. Hein. On va dire Korogu, c'est mieux. Nous comptons sur toi pour le délivrer. Allez, on va sortir. On va aller à l'extérieur. Ok. Alors je vois une tornade, à mon avis on va s'en servir. Il me
semble dans mes souvenirs qu'on l'utilise, cette fameuse tornade. Bravo! Tu as réussi à trouver la feuille Mojo. L'île effrayante que tu as en face de toi est l'île des bois défendus où Dumoria est tenu prisonnier. Utilise la feuille Mojo pour l'atteindre. Fais bien attention, la feuille Mojo ne pourra t'amener à l'entrée des bois défendus que si le vent souffle dans la bonne direction. Sinon, tu tomberas en route. Si seulement le vent pouvait souffler dans la bonne direction. Ok. Parce que là, ça me paraît trop loin pour y accéder. Je pense qu'on va devoir aller par là. On va bien se mettre en face et orienter le vent correctement. C'est parti. Alors, ce serait plus côté ouest-sud, je dirais. Je pense qu'on est pas mal. Ouest-sud, ça me paraît bien. Alors, ce que j'ai peur, même avec... Ah, je vois qu'il y a une petite île en bas aussi à gauche, là. Oh, il y a plein de choses à découvrir, mes amis. Il faudra que je pense sur le... à ne pas oublier ce morceau d'île. Allez, on y va. On va essayer d'atteindre la tornade. Ah, je vais peut-être être un peu juste. Ok. On est pas mal. Bravo, tu as tout de suite compris comment te servir de la feuille Mojo pour voler. Coupe tous les buissons qui sont sur cette île pour recharger complètement ton énergie magique. L'entrée des bois défendus est plus haute que cette île. Pour atteindre un endroit qui est plus haut que celui d'où tu décolles, il faut que tu utilises un courant d'air qui te porte vers le haut. D'accord ? Les courants d'air qui peuvent te porter vers le haut sont très rapides et ils vont dans la même direction que le vent. Saute dans un courant d'air et il te portera vers l'entrée des bois défendus si le vent souffle dans la bonne direction. Ok. Alors, on va se mettre déjà dans la bonne direction pour atteindre le bois défendu. Je pense qu'on est pas mal. Et on va s'aider de notre ami Link pour bien repérer la direction. Et là, on sera nord-ouest. Entre nord et ouest. Et je pense qu'on est bien. Allez. C'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Et là, il faut bien repérer le courant. Et sauter dedans. J'espère qu'on va pas se louper. J'espère que ça va aller. Et là, je pense qu'on est bon. C'est parti. Oh, on a volé haut là. Ah, c'est quoi? C'est des ennemis ça? Oula, 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 oula. Non. Ok. On a réussi. Et je crois qu'on est à notre destination. C'est parti. On va rentrer dans ce bois. Les bois défendus, on y est les amis. On est rentré dans ces bois défendus. Je vois que ça se cache au fond là-bas. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à découvrir. Et bien entendu, ce sera pour le prochain épisode que je vous réserve tout cela. Donc déjà, on a fait le petit parcours pour se rendre à ce bois défendu. Alors si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, j'attends vos pouces bleus. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne Les Petits Phénix. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur Zelda The Wind Waker. Allez, salut !